Un bon départ de Jimmy Lucco qui s'est pas trop vite relevé. Il est dans le coup, maintenant va falloir assurer la transition. Il est bien Jimmy Lucco, l'accélération. Et oui, il est là, chrono en 10 secondes. Oui, Jimmy Lucco vers 90. On vous l'avait dit, il n'y a pas de vent, c'est parfait. Énorme pour Jimmy Lucco. Ça peut être encore corrigé. Absolument magnifique. Et attention Jimmy Lucco, meilleure performance mondiale de l'année. Égalé, 9,92. Au même titre que Michael Rogers du côté de Prague. Oh, quelle course Samir, quelle sensation, et puis de le voir terminer là, nous on est sur la ligne d'arrivée, de voir cette efficacité de foulée sur les derniers mètres, c'est incroyable. Oh là là, c'est une superbe course de Jimmy. Je suis vraiment content, je descends sous les 10 pour la première fois, mais ça fait du bien. Je pense que j'ai bien, enfin, l'enchaînement, la mise en action est pas mal à voir avec Dimitri, mais je suis content de la course quoi. Le finish aussi, on a eu l'impression de beaucoup de facilité, beaucoup de relâchement dans la dernière partie de course. Ouais, on travaille ça à l'entraînement, donc c'est vraiment fini là, relâché, haut, bien placé. Donc voilà, je suis content, j'ai bien fini. Et là, j'ai vraiment passé la ligne, quoi. Donc je suis vraiment content. Ça faisait quand même un certain nombre de saisons qu'on ne vous avait pas vu en aussi grande forme. Aucun pépin physique, tout va bien, les planètes sont alignées. Ça veut dire qu'on va avoir un Jimmy record cette année, ou c'est pas l'objectif? L'objectif, ce sont les podiums, les médailles d'or. Voilà, tu l'as dit, donc le but c'est les médailles, c'est pas les chronos, ça sert à rien. Là c'est un meeting, donc étape par étape on prend le temps, et maintenant on se propose à Paris dans 2 semaines.